Yo tout le monde, c'est Infamous Ghost, j'espère que vous allez vraiment très bien. Moi de mon côté, je vais vraiment très bien. Alors désolé pour la PlayStation 3 qui ventile un peu, c'est la Super Slim, elle a eu, je suis en train de la refroidir un petit coup. Bon, quoi qu'il en soit. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel qui vous permet d'installer TMAPI. Donc c'est l'opposé de CCAPI. Voilà. Sur une PlayStation 3 Super Slim, donc en N. Alors si vous savez, une Super Slim ou une Slim 3000, c'est la même chose. Du moment que vous êtes en N. Donc il y a deux conditions. La première, c'est d'être en N et d'avoir fait Enable N, ça c'est classique. Et la deuxième, c'est d'avoir Webman Mode installé. Donc si jamais vous n'avez pas Webman, bah forcément, ça n'ira pas. Donc c'est vraiment super simple. Vous êtes dans la description de la vidéo. Il y a une archive WinRAR qui s'appelle PlayStation 3 MAPI Demo Tool. Vous prenez. Alors vous l'ouvrez. Ici vous avez le choix. Vous avez un tool qui permet de changer le console ID. Il y a un tool qui n'est pas qui, enfin, qui est capable et un qui n'est pas capable. Moi pour la vidéo je vais prendre celui qui n'est pas capable parce que j'ai pas envie que le mien apparaisse à l'écran. Donc je vais prendre celui-ci. Vous, si vous voulez, vous faites l'autre. C'est exactement la même chose. Donc vous prenez les trois fichiers que vous allez simplement extraire sur le bureau. Voilà. Vous allez faire clic droit sur PlayStation 3 Manager, exécuter en tant qu'administrateur. Hop, voilà, ça va charger un petit instant. C'est parti. Alors ici, vous avez, regardez bien, une adresse IP, mais ce n'est pas celle-là qu'il faut regarder. Vous allez simplement aller ici dans paramètres du système. Vous allez faire information système, voilà. Et là, vous allez voir adresse IP. Donc vous avez, moi ici, j'ai celle-ci, 192.168.1.62. Vous recopiez l'adresse IP que vous avez dans le logiciel. Donc si jamais vous avez 250.230 ou ce que vous voulez, c'est exactement la même chose. Donc 192.168.1.62. Mais avant de faire ceci, on va d'abord aller dans Webman, ce que j'ai oublié de vous montrer évidemment. Vous allez simplement dans Mes jeux, vous faites Configuration de Webman, vous allez dans PlayStation 3 Webman Configuration. Hop, alors vous allez ici dans Webman, vous cherchez Raccourci manette et XMB en jeu. Et regardez, vous avez ici CCAPI plus PlayStation 3 MAPI désactivé. Vous cliquez, vous faites activer. De là, vous faites simplement sauvegarder. Et là, vous faites cliquer ici pour redémarrer le système. Voilà. La Play va redémarrer. Donc ici, maintenant, on a appliqué les paramètres. Webman va pouvoir se connecter à TMAPI. Enfin, et vice-versa, quoi. Donc hop, on attend un tout petit peu. La console va redémarrer dans grosso modo 5-10 secondes. Voilà. On a le logo HEN qui apparaît. Voilà. Maintenant, vous faites simplement Enable HEN. Voilà. C'était aussi simple que ça. Voilà, on ferme le navigateur. Donc maintenant, on retourne évidemment sur l'écran de la PlayStation. On va retourner voir l'adresse IP dans paramètres du système, des fois qu'elle aurait changé. Donc c'est toujours la même, 0.1.62. Donc on va maintenant aller regarder ici. Et je vais regarder en même temps l'écran. Attendez, je vais faire les deux en même temps. Merde. Regardez en même temps, donc ici et là, donc ce 0.1.62, vous faites connect. Et là, regardez, tadam! Voilà, vous êtes connecté à la console. C'est parti, on voit la température de ma PlayStation. Voilà. Vous pouvez faire une notification. Regardez, je vais faire le gamin. Je vais marquer Infamous Ghost est le meilleur. Regardez bien en haut de l'écran, mode notify. Tadam! Voilà. Et donc de là, maintenant, une fois que vous avez connecté ceci. Libre à vous maintenant d'utiliser les tools qui permettent tout simplement Allez, vous avez un tool qui permet donc de connecter à la PlayStation, etc. Maintenant, grâce à ça, vous pouvez simplement utiliser, je sais pas moi, un mode menu de real time, tout ce que vous voulez, ça fonctionnera. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu les amis. Donc sur ce, moi je vous dis, prenez soin de vous, à la prochaine, pensez à liker, commenter, à vous abonner, et je vous dis, allez, ciao, bye bye.